en forme, bienvenue sur Elodie à table. Aujourd'hui, je vous propose de faire des crèmes dessert façon Danette. Avant de passer à la recette, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et on se retrouve à la fin. Et pour réaliser cette crème dessert, il me faut 3 cuillères à soupe. Je commence par diluer la maïzena avec un peu de lait. Dans une casserole, je commence à verser le lait, la crème, puis le sucre. Et je commence à chauffer le tout. Je verse le chocolat. Je continue de chauffer. Et je mélange tout en continuant de chauffer. Lorsque le mélange est suffisamment chauffé, je rajoute le lait et la maïzena diluée. Et je continue de cuire tout en remuant pendant 1 minute. Le mélange épaissit, n'hésitez pas à bien fouetter pour qu'il n'y ait aucun grumeau. J'éteins le feu et je rajoute les 2 jaunes d'œufs et je fouette vigoureusement. Je mets un coup de mixeur plongeant pour que la crème dessert soit bien lisse. La crème est enfin bien lissée, vous pouvez le constater avec une cuillère que l'ensemble est bien lisse. Je coule la crème dessert dans des ramequins. Je place le tout au frais pendant minimum 2 heures et voilà, une bonne crème dessert façon Danette. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous allez la réaliser pour vos enfants, votre mari ou votre famille. Et en tout cas, n'oubliez pas s'il vous plaît, pour me soutenir, n'importe quel pouce bleu et abonnement est très important pour aider la chaîne. Ça aide énormément à ce que vous partagiez également.